Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues américains, chinois, sud-coréens, japonais et ceux d'autres pays. Le premier ministre chinois Li Keqiang se trouvait parmi les dirigeants qui ont participé au sommet de cette année. Il a présenté une proposition en 5 points visant à promouvoir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Le premier ministre chinois a appelé tous les pays à suivre les principes de la Charte des Nations Unies et à défendre les résultats obtenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale en sauvegardant ensemble la paix et la stabilité de la région et du monde. Li Keqiang a également appelé les pays à adhérer aux principes du droit international afin de régler pacifiquement les conflits de souveraineté à travers la consultation et les négociations. Il a notamment exhorté la Chine et les pays membres de l'ASEAN à mettre en place une déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et à améliorer les mécanismes pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération. Li Keqiang a rappelé que les pays extérieurs à la région devaient jouer un rôle constructif sans aggraver les tensions actuelles. Le Premier ministre chinois a terminé sa proposition en appelant toutes les parties à exercer et à maintenir la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale, dans le cadre du droit international.